Départ de cette cinquième épreuve, le prix du Pays de Ré, une simple chaise à réclamer pour chevaux de 5 ans et plus. 4300 mètres à parcourir avec un bon départ pour Viva Gloria. On est bien parti également à son extérieur avec First Spin alors qu'on est en troisième position avec Ucello de Mai, accompagné par Tanguy de Mai. Alors qu'un peu plus loin, nous avons également Ulysse de l'Écu, accompagné par Vieur Honor. On est le long de la corde avec maintenant Indian Eyef. Alors qu'à l'arrière-garde, nous avons Pick Rider avec également à son extérieur Saphir Nonantais avec Tania Doudéry. Après l'Open Ditch pour aller sauter une première fois à l'Auxerre avec Viva Gloria qui a l'avantage. En deuxième position au centre, Ucello de Mai. À son extérieur, Tanguy de Mai accompagné par Indian Eyef. Alors qu'on est en cinquième position à son extérieur avec First Beam. Alors qu'on est en sixième position avec Urbicus. Vieur Honor vient ensuite avec Ulysse de l'Écu, avec Canidor accompagné par Fornbello. On est un peu plus loin avec Vablen de l'Ouest, accompagné encore complètement extérieur par Saphir Nonantais avec Pick Rider. Et en dernière position, Tania Doudéry. Il se dirige ainsi vers l'Auxerre. Pas de changement en tête, à savoir Viva Gloria avec maintenant Tanguy Duguay, accompagné par Ucello de Gué, avec First Pim qui est en quatrième position, Indian Eyef qui est cinquième, un peu plus loin Urbicus avec Vieur Honor, accompagné par Saphir Nonantais, le long de la corde, Canidor avec également Fornbello. On est toujours à l'arrière-garde avec le numéro 1 Vadlem de l'Oued et également avec Saphir Nonantais. Le petit fence, abordé en tête toujours par Viva Gloria, avec en deuxième position Tanguy Duguay, avec en troisième position, on vient maintenant avec Urbicus qui vient à la hauteur de Viva Gloria et qui prend l'avantage maintenant, alors que First Pim est en quatrième position, avec également en cinquième position plutôt côté corde, Ucello de Mai. Fornbello vient ensuite avec Indian Eyef, encore un peu plus loin, Canidor avec Saphir Nonantais devant Vieur Honor. Et un peu plus loin, Ulysse de l'Écu, alors qu'on est toujours à l'arrière-garde avec Tania Doudéry. Ils vont aller sauter le mur avec maintenant en tête Urbicus. En deuxième position, Viva Gloria. En troisième position, à l'extérieur, Tanguy Duguay. First Spin qui est toujours en quatrième position à l'extérieur. En cinquième position, on s'est rapproché avec Pick Rider. Avec également Indian Eyef qui vient maintenant en sixième position. Un peu plus loin, Canidor. Et sur la même ligne, nous avons Fornbello, accompagné encore par Ucello de Mai. À l'arrière-garde, Vieur Honor avec Saphir Nonantais, avec Ulysse de l'Écu, avec Vadlems de l'Oued et également Tania Doudéry. Une deuxième fois, le talus avec Urbicus qui a l'avantage et qui va aller sauter en tête pour une deuxième fois à la rivière avec côté corps de Pick Rider. En troisième position, Viva Gloria. On est quatrième avec Tanguy Dumais, avec en cinquième position, patiente avec Indian Eyef. First Pink qui est maintenant sixième en dehors, le long de l'accord du Cello de Mai, devant Fornbello. Canidor est encore un peu plus loin, avec Saphir Nonantais et avec Ulysse de l'Écu. Et toujours à l'arrière-garde, Vadlems de l'Oued avec Tania Doudéry. Il va y sauter maintenant une deuxième fois l'Auxerre. Pick Rider qui a l'avantage et qui s'est quelque peu détaché de Urbicus avec en troisième position maintenant Viva Gloria. 3-4 longueurs sur Tanguy de Gué accompagné par Indian Eyef. First Pim vient ensuite avec également côté corps de Ucello de Mai accompagné par Fornbello. Alors qu'on vient ensuite avec Canidor et encore avec Saphir Nonantais. Alors qu'un peu plus loin, nous avons également Ulysse de l'Écu avec Tania Doudéry. Alors qu'on va certainement s'arrêter avec Vieur Honor. Ils vont aller saluer. Ils vont aller sauter maintenant le talus breton avec Pick Rider qui a l'avantage, avec Urbicus qui est en deuxième position. On est en troisième position avec Viva Gloria. On vient en quatrième position à côté corde avec Ucello de Mai. Alors qu'on est à l'extérieur également avec First Beam et on tente de se rapprocher avec Fornbello. Alors qu'un peu plus loin, nous avons Indian Eyef. Ils vont aller sauter maintenant le gros fence. Pick Rider qui a l'avantage avec en deuxième position Urbicus. En troisième position, First Spin devant Viva Gloria. Alors qu'on vient maintenant en cinquième position avec Fornbello. Ils vont aller sauter maintenant l'aide de la clairière avec Pick Rider qui emmène toujours ce petit peloton. Avec Urbicus, avec First Spin qui est venu en troisième position en dehors. Viva Gloria qui est en quatrième position. Fornbello qui est à son extérieur. On est un peu plus loin côté corde avec Ucello de Mai également avec Tanguy de Mai. Et dans leur sillage, nous avons Indian Eyef avec un peu plus loin Canidor et encore un peu plus loin Ulysse de l'Écu avec Saphir Nonantais. Ils vont maintenant aller sauter le Bullfinch
avec toujours aux avant-postes. First Reading avec égal First Pim avec également Pick Raider qui reprend l'avantage à First Pim avec en troisième position. On vient avec Urbicus et on vient également complètement à l'extérieur maintenant avec Fornbello. Avec encore un peu plus loin, nous avons Viva Gloria. Alors content de venir avec Ucello de May, également Tanguy de May. Ils vont sauter la dernière haie. Fornbello avec également au centre Pick Raider avec Ucello de May qui est le long de la corde. Alors qu'un peu plus loin, nous avons également Tanguy de Gué avec Viva Gloria. Il leur reste 100 mètres à parcourir avec Fornbello qui a pris maintenant l'avantage avec en deuxième position Pick Raider avec Ucello de May, avec Fornbello qui va s'imposer dans ce prix du Pays Doré. La deuxième place pour le numéro 4, Pick Raider, et la troisième place côté corde pour le numéro 13, Ulysse de May. Non.